farcement. Le farcement, j'imagine que vous connaissez, venez messieurs. Mais ça va être l'occasion de juger le travail. Oh là là, non, non. un farcement express qu'on a fait, même s'il y a une réalité. Allez-y, resituons les choses. C'est vrai que c'est toujours dur quand t'as un chef triplement étoilé qui vient déguster tes préparations. Surtout quand t'es autodidacte, t'as la pression. C'est dur, non, je te comprends. Voilà, je l'ai goûté. Alors, tu me rappelles un peu la recette. C'est bon. T'as vu comme c'est bon. Alors en fait, tout à l'heure avec Thomas, on a fait cuire les pommes de terre, on les a écrasées, on a ajouté des lardons dorés avec les oignons, un petit peu de fécule pour donner un petit peu de consistance. On a ajouté un petit peu de beurre. Donc ça, c'était la base de notre farce. Et ensuite, on a garni un plat donc avec les tranches de lard fumées. Ensuite, on a versé la farce, on a déposé quelques pruneaux au centre. Ah oui, on a ça marche bien les pruneaux. Bon, hein. Oui, voilà, c'est un plat sucré salé. Qu'est-ce que vous en pensez? Superbe. Il y a tous les ingrédients, c'est bien. Il ne reste plus qu'à savoir les cuire, c'est ça? Non, parce que je pense que le farcement, il n'y a pas une famille qui a la même recette. C'est vrai. Il y en a qui vont mettre des raisins, il y en a qui vont mettre des pruneaux. J'ai lu qu'il y avait quand même, chaque village avait un peu sa recette, chaque famille. Et ils ont tous la meilleure. Bah oui, c'est la meilleure de la quotidienne. Excellente, bravo. C'est vraiment le plat d'hier parce que c'était le plat du dimanche. Ah oui. Et si vous voulez d'autres plats du dimanche ou des autres jours de la semaine, eh bien vous pouvez retrouver le livre d'Emmanuel Renaud, c'est aux éditions Flammarion. Qui existe en français, hein. Vous me l'avez amené en anglais, mais en français. Il est magnifique, merci. Vraiment, c'est un voyage rien qu'à feuilleter ces pages. Donc, merci bravo. Encore à tous les deux d'être venus nous voir. Merci de nous accueillir. Et à demain. Plaisir pour nous.